Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est Oscar pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la suite du pass de Destiny 2, la suite de la saison des élus. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, on est là tranquille et j'ai lancé mon arcaniste et j'ai vu une cinématique. Donc, eh ben on va prendre un autre personnage et puis on va la regarder. Mais pas celui-là. Oh. Ça marche pas. Putain, ça marche pas. Fuck. Ça marchait avant et maintenant ça marche plus, quelle vie de merde. Ah, ça marche pas. Bon, c'est chiant. Bon. C'est vraiment bizarre que ça marche pas sur celle-là parce que ça a marché sur toutes les autres, mais tranquille. Peut-être qu'il faut être dans ce à cet endroit-là dans la cinématique, enfin du pass, je sais pas. Bref. Donc on a des saisonniers qui sont. Ah. Ah. Ok. Donc, accession de challenger 5, ok. Hors cabale. Message cryptique. Ok. Allez, redistributeur prismatique et découvrez comment déverrouiller d'autres lentilles. Pièce de maîtresse de pièces d'armes. Pièce maîtresse de pièces d'armure, ok, d'accord. Et obtenez l'arme rituelle saisonnière. Et rendre infamie dans l'ambic. Et ok. Mais du coup, pour le coup, il n'y a qu'une seule. Il y a que 8. Que 8 missions. Ce qui nous porte donc à 48 missions sur 75. C'est ils sont en train de réduire le nombre, donc on va en avoir à peu près 12 000 hein, des missions, mais bref. Hop, voilà, voilà. Oh putain de merde. Ah d'accord. bah écoutez, on prend, hein, on prend, et surtout, on prend ça. Parfait. Eh bah dis donc. Eh bah du coup, on est déjà à 87, bah, c'est intéressant ça. Il y a moyen que d'ici la prochaine semaine, on soit déjà à 100%. Bon, ok, alors, j'ai un peu un revêtement de merde, mais c'est normal. C'est pour tester, vous savez. C'est pour tester mes armures et tout. On teste les limites. Bon, on va remettre tout ça par défaut. Voilà. Parce que là, il nous manque plus que un truc. C'est-à-dire le casque, c'est le pire. Donc on va pas non plus, voilà. Alors, hop. On va se remettre de base. Et bon, ça, on en a rien à foutre, mais je vais le faire quand même. Voilà. Donc, du coup. D'ailleurs, au début, d'ailleurs, il faut qu'on aille au Simu, je suppose. Oui, il faut qu'on aille au Simu. Donc, on va. Je vais me téléporter pendant ce temps. Alors. Donc, pendant ce temps. Donc, tac, tac, tac. Alors, on a les gants, du coup, en termes de revêtements. Voilà. On a les gants de Lega. On le verra pas de toute façon pour l'instant, c'est normal. Si c'est bon, voilà. Donc là, on a les gants de Lega. On a donc la robe de Lega. Incroyable. Fuck, faites chier. Il y a une cinématique, il n'y a pas de cinématique, parfait. Je regarde au cas où. Hein. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Regardez là, là, au milieu de mon au milieu de mon écran. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est adossé contre le mur en m'attendant. Ça, c'est des réflexes de jeu solo, ça. Les bottes de Lega, du coup, ok, intéressant. Et on a également, du coup, certainement le brassard de Lega. Oui, voilà, c'est ça. Le brassard de Lega. Donc, voilà. Donc, on a 4 pièces sur 5 de l'armure. Et nous, voilà, on est clairement sur un forgeron. Et on a le symbole Fnatic. Le symbole Fnatic, mesdames et messieurs, il est là. Regardez-moi comment il est beau. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'il peut être bien, ce symbole Fnatic. Comment est-ce qu'on peut le mettre en valeur. Alors, donc déjà, on a ça. Alors, j'aimerais savoir un truc. Ok, donc, ce symbole Fnatic-là a tendance à changer avec le revêtement. Ça, c'est intéressant. Et du coup, ça rend la tâche plus compliquée. Parce qu'il va falloir trouver un truc qui soit noir et orange. Et un truc qui est noir et orange, c'est pas si facile en Destiny. Ça, c'est un orange et bleu. Ça peut passer. Putain de merde. Ça pique les yeux quand même, mais ça peut passer. Ça, putain, il est blanc, fuck. Ah, j'ai pas de chance. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qui est incroyable avec ça, c'est les petites boules à côté, là. Ça, c'est vraiment les petites couilles sur les épaules. C'est quand même un truc incroyable. Oh là là, les petites couilles roses sur les épaules. Incroyable. Oh putain, j'ai tellement pas de chance. J'ai tellement pas de chance, c'est l'inverse. Mais ça peut marcher. Le problème, c'est qu'il y a un peu trop de blanc.
Oh, vous auriez pu le mettre en rouge quand même. Hein. Et on a les boules rouges quand même, c'est pas mal. On a de la merde. On a de la merde. Oh! Oh, trahison, disgrâce. Oh, la trahison, disgrâce. Est-ce que je peux vraiment. Je peux vraiment pas avoir. Non! Putain! Vraiment quoi? Mais pourquoi ils ont mis du bleu? C'est bon, j'en ai marre. Putain. Ah, quelle vie de merde. Oh là 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 là. Oh le L. Oh je prends L sur L. Ah oh, c'est vraiment dommage. Bon bah pas de chance. Ok, bon bah ok, on va le laisser comme ça. On va juste regarder vite fait les revêtements en entier, comment est-ce que ça rend par exemple avec celui-là là. Ah. En fait, c'est intéressant parce que de manière isolée, je pense que si tu prends uniquement genre l'équipement, équipement par équipement, les jambes doivent être le pire parce que c'est très très dur de les adapter aux autres revêtements. Mais à l'intérieur de ce set, ça passe, tu vois. Parce que là, à la limite, on pourrait dire, bon, il n'y a pas énormément de couleurs de prise pour les jambes, mais en vrai, ça rend bien avec le reste. Donc c'est cool. Éclosion d'améthyste. Incroyable. Bref. On n'est pas là pour ça. Donc. Ah, on a une transmission. Alors, basiquement, tiens. Après cette transmission, je vais vous dire, je vais vous raconter un peu la cinématique. Saladin, bien évidemment. En bon gros réactionnaire. Pas du tout. En bon gros réactionnaire qu'il est. Il nous sort ce genre de manigance, bien sûr. Laissez-moi juste concentrer des trucs pendant que je vous parle de la cinématique. Alors, on a une cinématique qui est intéressante parce que c'est la première cinématique où il se passe quelque chose. Mais c'est pas une cinématique. Comment dire? C'est les cinématiques un petit peu dessinées, comme ce qu'ils avaient fait avant. Basiquement, il y a donc Zavala qui parle. Basiquement, globalement, il est dans son mood. C'est la nuit. Il est dans son jardin. La cité, trop bien. Et puis après, il a le sentiment d'être observé et il voit dans les buissons Uldrensov. Donc là, le corbeau maintenant, mais sans son masque du coup. Pourquoi on ne sait pas. Et qui lui dit, attention, derrière il sent un truc, il se retourne avec une arme et il bute le mec, le pion qui était censé l'assassiner. Et quand il se retourne, eh bien Uldrensov s'était barré. Et du coup ça c'est intéressant parce que on voit donc la tentative d'assassinat Zavala qui apparaît devant nos yeux. Et c'est très intéressant parce que du coup on peut un petit peu... Enfin, voilà, on voit ce qui s'est passé quoi. Il se passe enfin quelque chose dans cette putain de saison. Et ça, c'est très intéressant. 92, on va enlever celle-là. Parfait. Bon. Du coup, on va aller voir ce qu'on nous dit. On va aller voir ce qu'on nous dit. Il y avait un assassin dans les murs de la cité. Et personne ne l'a su avant le tout dernier moment. Nous avons eu de la chance pour cette fois. Nous devons canaliser notre lumière en une fureur purificatrice et réduire en cendres l'Empire Cabal. Zavala espère s'en tirer par une solution pacifique, mais il n'a pas mon expérience. Je reste un seigneur de fer. J'infligerai des châtiments exemplaires et vous devriez en faire autant. Voilà. Donc là, on sent déjà la scission qui arrive entre le Seigneur de Fer et Zavala. Enfin, qui arrive. Comment ça se dessine? Parce que tous les deux ont des objectifs différents.
Enfin, ils veulent tous deux régler le conflit cabal, mais l'un par la paix, l'autre par la guerre, et c'est beau. C'est Naruto, c'est beau. Vous pouvez pratiquement ressentir la colère du seigneur Saladin dans ses écrits, du seigneur Sasuke. D'après lui, Kayatel et ses cabales ont dévoilé leur véritable nature, ce sont des lâches et des assassins. Ils refusent que leurs attaques restent impunies et enjoignent les gardiens à redoubler d'efforts lors des patrouilles en territoire cabale. Son message exhorte les gardiens à ne faire preuve d'aucune retenue, la compassion n'est pas de mise puisque les cabales ont eux-mêmes cherché la mort. Les cabales parlent d'honneur mais n'en ont jamais fait montre. Ils n'en font jamais montre, excusez-moi. Parlent d'honneur mais n'en font jamais montre, ils doivent être brisés. Et il faut que l'on pille leur cabale lorsqu'on termine des poignées. Ok, on va faire des... Let's go. Après, tac. Putain, j'ai que la moitié. Quelle vie de merde. Ils ont mis que la moitié, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oui, la réinsertion qui fait... brisant des tribus. Ok, donc, ok. On donne des chances. Alors que nous, on a des trucs qui donnent forcément, mais qui coûtent plus de leur cabale. Ça c'est bien, ça c'est cool ça. Augmente ça à 10 le nombre de charges possibles dans le marteau d'insertion. En fait, est-ce que je pourrais avoir un... Ouais, voilà. On va prendre ça plutôt. La quantité d'unité d'or cabal, ça c'est quoi? Ouais non, ça c'est un truc par semaine, c'est de la merde. Ok, bon. Il y en a ces modes là derrière. Bon, je sais pas si on les a déjà pris ou pas. Je crois qu'on les a déjà pris. On va prendre ces contrats. Ah! Donc précision, arc, combattant, arme énergétique. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait, mais ok. Tac, on va prendre de l'arc. L'arc ici, tac. À 92 contre 89, mais c'est de la merde. On préfère frénésie, bien sûr. Trop stylé, frénésie, let's go. Paf! En ne dépensant que du lumen. Putain, j'ai vraiment plus de lumen du tout parce que je viens d'avoir le murmure du verre que j'ai envie de tester. Ça m'a l'air d'être un sniper très très intéressant. Regardez-moi ça. Oh yo yo, il est trop stylé. Ça m'a l'air la pute. De ce que j'ai compris, donc le murmure du verre a une histoire assez intéressante dans le... Pas dans l'or, hein, mais dans l'histoire de Destiny 2 en termes de... Dans les joueurs. Ah, déjà. C'est pas leur cabale en fait, ça y est, c'est déjà terminé. Bon bah ok. Et bah du coup, on va pouvoir mettre une charge pour une fois, ça y est, en 12 semaines différentes, ça y est, c'est la première fois où j'ai pas chargé un truc avant de le reset, ce qui fait que maintenant je peux juste... cliquer sur le médaillon de machin, de mes couilles. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Donc ça banne... Oui, d'accord. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, on a plusieurs trucs. C'est-à-dire que là, on a donc celui de base. C'est, donc qui donne une charge de marteau 14. Un qui te donne donc... oui, pour augmenter la capacité de charge du marteau temporairement. Jusqu'à ce que le prochain engramme de l'Umbra soit concentré au redistributeur. Ok. On a celui-là qui te donne un engramme de l'Umbra dans les coffres. Un engramme de l'Umbra, déjà, en plus, dans les coffres. Mais ça te demande deux charges de marteau. Et lui, il te donne. Il te octroie des charges de marteau supplémentaires quand on détruit un coffre. Mais ça demande plus d'or cabale. Donc c'est plutôt intéressant. On va prendre celui-là parce que j'ai envie d'avoir pas mal de charges. Et pourquoi pas de l'or cabale, justement, pour pouvoir rentabiliser un fond. Et du coup, on va piller le tribut de Kayatel. Hein. Le marteau d'insertion est prêt. Oui, une activité en champ de bataille, ok. Donc le champ de bataille, oui. Ok, c'est bien ça, on va juste faire un champ de bataille en lui-même. J'adore mettre ma bouteille devant ma bouche, ça fait vraiment un truc très très stylé. Bref, pas du tout. On va en profiter pour regarder dans la boutique. Déjà 2 grands grammes de l'Umbra. C'est de la merde, c'est de la merde. Mais ce qui est plus intéressant, mesdames et messieurs, c'est les marques. Pas les marques, mais les revêtements. Putain, il m'en manque un. Quel revêtement je détruis là, hein. Toi. Toi, je vais jeter mon courroux sur toi. Hop. Pouvoir récupérer le baie de rouille. Bien. Ça rend comment? Ça rend bien, hein. Ça rend vachement bien. Franchement, ça rend vachement bien. Je vais peut-être le mettre, putain. Ah, let's go, le meilleur. Donc, on doit faire un frag de précision. Tout ça, ok. Alors pour le coup, j'aurais préféré que Zavala... pas que Zavala, mais j'aurais préféré... Putain, merde, c'est juste gigafort, en fait. C'est juste gigafort, en fait, c'est putain de ligne de dialogue.
Non, en fait j'aurais préféré que Zavala et Yndressov se rencontrent et que Yndressov ne se barre pas instantanément. Parce que pour le coup je trouve que c'était plus intéressant que justement il le sauve à ce moment-là et que derrière il parle. Mais je peux comprendre qu'il l'ait pas fait parce que c'est plus... Certainement qu'il va avoir l'occasion de... Ils vont avoir l'occasion de le faire dans une... Fuck. Ah mais t'es là toi. Y'a un connard là aussi. Putain. Faut que je fasse des facs de précision, laissez-moi tranquille. Donc du coup oui. Je trouve ça intéressant d'un côté, j'aurais trouvé ça intéressant de le faire. Mais de l'autre côté, peut-être qu'ils veulent le gagner pour une meilleure occasion. Du coup on verra un petit peu quelle sera cette occasion. La dite occasion. Mais on verra un petit peu. Moi je pense que s'ils avaient voulu jouer la sûreté, ils auraient pu le faire direct. Fuck. Voilà. Oh putain, ça se TP maintenant, ça wave dash. Oh let's go, j'ai été invisible. Ok. Et quoi? Oh le netcode. Oh j'ai tenté. Hop. Ok. Ah putain, j'avais oublié. Putain, ça me fera toujours peur, bordel. Oh ce bruit. On aurait pu faire en sorte que ce soit des notes. Des notes dissonantes entre elles, tu vois. Comme c'est quand quelqu'un genre appuie très fort ses mains contre un piano. Vraiment souligner le désordre et la brutalité finalement également de cette irruption des cabales dans notre système solaire, j'ai envie de dire. Notamment ceux de Kaïtol. Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est le moment. Paf! Paf! Ok, donc basiquement, comment ça marche en fait, ce murmure du verre? En gros, ce qui se passe, c'est que j'ai cette balle dans le chargeur et que... basiquement, si je mets 3 frags de, enfin 3 tirs de précision, et ben ça me remet les balles dans le chargeur. Voilà. Et en plus, ça fait très mal. Du coup, ce qui se passe, c'est que avant, les munitions n'étaient pas juste sorties, remises dans le chargeur. Ça en créait, ça en générait. Fait que c'est n'importe quoi. Vous doutez bien qu'un sniper en lourd qui fait d'énormes dégâts, qui lorsqu'on tire fait des frags de précision, ça génère des munitions. Voilà. C'est pas forcément la manière la plus saine de gérer un exotique. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont fait de manière à ce que ça ne génère plus de munitions. Et du coup, maintenant ça pue. Voilà, globalement, c'est ça. Non, j'ai craint. Non, en vrai, je crois que c'est toujours utilisable et utilisé. C'est juste que, faut être fort, quoi. Mais, clairement, on n'est pas sur la génération de munitions lourdes complètement pétées qui était avant. J'en suis à où dans les contrats? Parce que j'avoue que, bon, on va se faire chier, là. D'accord. Ok. Donc, on passe de niveau exotique. Oh, let's go! Let's go. La poignée nécrotique, j'ai limite envie de la mettre maintenant en fait, 2 secondes. 63, c'est pas mal. C'est de la merde, c'est de la merde, mais en tout cas, on l'a. Du coup, ça veut dire que c'est mieux de... Ah, elle est en cryo-électrique contre abyssal. Ah ouais, mais je suis déjà à 7. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la remettre comme ça. Voilà, et là du coup... exactement. Ah putain. Ah non, attendez. Quoique. Ah, c'est à 60. Oh, j'ai failli. J'ai failli. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Tout va bien. Non, ça va. Ça a plus de stats. Ok. Il faut pas que j'oublie de tuer des gens qui veulent taper cette horreur. Enfin, taper ce spectre. Ah, c'est le... C'est le spectre du pass, mais à l'envers. Enfin, à l'envers, non. Incline de 90 degrés sur la droite. Sur la gauche, excuse-moi. Voilà. Ok. Mais du coup, j'ai pas besoin de prendre l'arc. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Qu'est-ce qui me tire dessus? Quelqu'un m'a tapé, je l'ai vu. Bon, non, tout va bien. 96. Mais what? Laissez-moi avoir mon petit flingue. Petit flingue.
Ah bah voilà, parfait. Il y a personne derrière? Si, il y a un mec derrière, je le savais. Calmez-vous un peu là. En fait, il faut les laisser passer, je sais pas. Et bah putain. C'est bon? Ah non. Meurs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Meurs. Ah. Paf. Paf. Et paf. Regardez, j'en ai trois. J'en ai re trois. Ça a marché. Incroyable. Ah, laissez-moi tranquille. Ça va, ça va, ça va. On les infecte. On les infecte. Ah. Ça y est. Ah, je l'ai loupé. Aïe, 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 laisse-moi tranquille. Oh putain, mais laisse-moi tranquille. Meurs. 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 Parfait. Oh, ce tir est incroyable. Ce sniper, regardez-moi cette beauté, quoi. What the fuck? Oh, la puissance. Mais c'est ça que je veux avoir quand je joue à Destiny. C'est des armes comme ça. C'est les armes astrales, même dans le, même en plein jour. En plein jour, dans la nuit noire, nul n'échappe à mon regard. Incroyable. Je vois leur commandant. Il est un... Mais regardez, même le viseur est stylé. Regardez-moi ces ténèbres-là qui lorgnent sur mon viseur. C'est incroyable, c'est incroyable. Par contre, il faut lancer le rite. C'est-à-dire, en fait, je reste là et j'appuie sur E. Regarde. Voilà. Non, mais des fois, il faut aider les gens dans la difficulté. C'est pour ça que je suis là. Ah mais oui, mais en plus la mêlée à distance ça fait ça, putain, ils sont très très forts. Vous êtes en train de me dire que là je peux prendre la stase. Je peux prendre la stase et Monte Carlo. Into, je récupère ma mêlée toutes les deux secondes, into je les balance et ça infecte les gens à distance. Parfait ça. Oh viens là. Non, pas comme ça, excusez-moi monsieur. Comme ça. Meurs, vous aussi. Meurs, meurs, meurs. Il y a un déconneur là-bas. Meurs, meurs. Est-ce que je touche? Oh, je touche pas, ça aurait été incroyable. Ok, alors là il est immunisé, donc on va pas non plus tenter n'importe quoi. Et bah dis donc. Oh sa merde. Il a régénéré sa vie ou quoi? Ah ah. Faut que je bouge un peu en fait. Faut que je bouge un peu, sinon je me fais. Ah! Bah voilà, parfait. Ça va me permettre de changer. Stase. L'enlure du verre, c'était sympa. On va prendre. On va prendre le bazooka. Into... Encore un sniper. Into Monte Carlo. Comme ça. Regardez. Donc là, je tire sur le bro. Je le bute. Puis je le bute aussi. On est quasiment prêt. Ça y est, on l'a. Je le gèle. Into. Oh, c'est incroyable. Putain, fuck. Meurs. J'ai rien. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Hop, salut. Ah ah! C'est de la merde, j'aurais dû mettre mon petit bro. J'aurais dû mettre mon bro de glace. Tiens. Et oui, ça veut pas forcément dire qu'on est obligé d'utiliser sur des ennemis pour les one shot et pour mettre le poison. On peut aussi les balancer sur le... Oh. Et... Paf. La glace. Non mais pas sur le vaisseau. C'est bon, voilà, parfait. Ah mais j'ai un. Hop. Hop. Ah, je l'ai pas. Ah, derrière, what the fuck? Qu'est-ce que tu veux faire? Mon bro. Et c'est moi. Putain de... Putain de merde.
Oh sa mère! Ils sont combien là? Incroyable. Vous avez vu comment on a pu contrôler tous les gens grâce à... Bon bah à ma faille, on va pas se le cacher, mais aussi grâce à ce combo. Ce combo mortel. Fuck, je l'ai loupé. Là il va croire que je le BM. Excusez-moi, je vous balance mon bro de glace. Hop, je l'ai détruit, la glace. La glace. La glace encore. Non, pas la glace. Malarag! Prenez-y! Non, merde. Ah, bon, écoutez. Ok, maintenant on a notre propre petite merde. Oh. Malarag! Merde, je me suis fait tuer, putain. J'ai un connard. Bon, il est mort. Bien ouais, j'ai. Non, il est pas mort. Parfait. Parfait, regardez. Ils m'ont laissé faire le coup final. Ils sont très très sympas. Parfait, j'adore ces bruits. Ok, parfait. Et paf! Deux charges du marteau, engramme de l'Umbra, gant de préfet. Parler de la brèche sécurité avec Osiris et le corbeau. Parfait, allons-y. Il faut retourner au Simu. Non, c'est pas le Simu. Non, la paix. Mais je crois la ruche capable de nous tuer si nous ne la faisons pas. Ça, c'est vrai que ça, j'aurais dû regarder ce dialogue. Je crois que je l'avais pas déjà lu, mais bon. Oui, les défis saisonniers. Alors, c'est la semaine d'avant. Oh. La semaine d'avant, ennemi les champions, oui. Nouveau niveau, 89. Parfait. On augmente, on y est presque. On arrive dans la dernière ligne droite de ce pass. Nous avons les ressources. Et on a les 6 charges de marteau. 6! Et 29 d'or cabale. Ah bah là, tout de suite, là on est vachement humble. Au lieu de terminer avec 2 charges, parce qu'on en avait 4, on a terminé avec 6. Enfin, en prenant la charge du marteau qui en enlevait. Non, pas la charge du marteau. Bref, vous avez compris. 98. Très très intéressant, ça. En vrai, j'en ai pas des 98, là, tout de suite. Ouais. Est-ce que je peux pas en supprimer certains? Parce que là, il y en a trop, là, c'est pas possible. Est-ce que je peux recrafter ces armures, là, de la... Oui, alors, oui. Bien sûr, il y a eux, là, oui, d'accord, j'ai, mais... C'est pas le niveau, c'est pas la progression, c'est pas les événements, peut-être les saisons, non, c'est pas les saisons. Action, oui, non, ok. On va les foutre dans le coffre. Quoi que j'avais le dîme à côté de moi, mais bon. Putain, mais décidément. Alors attendez, du coup ça peut, on peut le barrer. Ça on peut l'envoyer bouler. Ça aussi. Ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça aussi. Ah, il n'y a déjà plus d'espace. Bah, bravo. Bravo, ça. Putain, c'est vraiment chum. Attendez, est-ce que je peux pas au moins... What? Ah oui, non, oui, ok. Est-ce que je peux pas au moins changer un peu le revêtement avant d'aller pas voir les gens? Déjà, qu'est-ce que ça donne avec le rougissement de l'horizon? Ah, oh, c'est dommage que ce soit pas du orange. Si ça avait été du orange, ça aurait été vachement mieux. Oh, intéressant. Et oui, il faudra tester les différents revêtements et tout, même si le bain de roue me semble très très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La chronologie vitrifiée. Et l'autre machin vitrifié. Elle est où? Je l'ai pas, je crois. Ouais, je l'ai pas. On va juste tester aussi la fumée dorée. Ah! Il y a moins d'or que ce que je voudrais. Mais au moins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va regarder. Prendre la cagoule du visage interdit. Et on va lui... ça, la tortue, comme ça.
Ça a la même couleur que le reste et ça fait pas tache quoi. Osiris, Crow. Vous avez été vu aussi loin dans le noir? Non. Pourtant, il a reconnu le visage d'un mort. Il en a informé Ikora. Heureusement, il a pris cela pour une hallucination. Un assassin était dans nos murs. Je devais agir. Ce n'est pas la première fois qu'un ennemi s'infiltre. Et ce ne sera pas la dernière. Je note votre inquiétude, mais il n'y a rien d'alarmant. Rien d'alarmant? Une tentative d'assassinat? Zavala est tout à fait capable de s'occuper d'un psion. Il était distrait. Il aurait pu perdre sa lumière. Je devais... Sans masque? Une petite erreur peut avoir de graves conséquences. L'araignée ne vous l'a pas appris? Mais ta gueule! Vous avez dû la prendre en traquant Xivoarat. Ah! Allô? Prenez garde à ce que vous dites. Allô? J'aurais dû garder mon masque. Mais je ne regrette pas mon geste. Zavala était en danger. C'est pour cela que vous serez son garde du corps. Parfait. Bien, sage. Nous devons attirer les assassins. Mais un gros dispositif serait trop visible. Gardez toujours votre masque et ne parlez pas. Vous saurez faire preuve de discrétion. Mais pourquoi est-ce qu'on ne modifie pas sa voix? Absolument. Même faites de lui un exo, limite. Si vraiment c'est ce qu'il faut. Faites de lui un exo, limite. Hein. Mais bref. Du coup, monsieur. Monsieur Osiris. Donc là, là cet homme-là, il a une voix de gars dans la vingtaine. Hein, dans le. Vingtaine, trentaine dans la VO. Voilà. Je viens de le dire au cas où. Ça m'a toujours. Je ne supporterais pas que personne n'élève sa voix contre ce genre de d'ignominie. Bref. Ah, je peux l'acquérir ça. Ah oui, c'est vrai. Bon. Oui, d'accord. Je m'en fous. Je m'en fous de ouf d'avoir deux unités d'orcabal, mon bro. Genre vraiment. Nouvelle rune d'assertion. Obtenir une charge de marteau supplémentaire. Oui, d'accord, ok. Ouais, c'est mieux ça. Tout ça, c'est le genre de choses que dont tu fais pas gaffe. Et c'est bien de pouvoir obtenir plus d'or cabale, même en faisant ça. Donc du coup, j'en suis où, moi? Faut que je fasse quoi, en fait? Ah, il faut que j'aille visiter le corbeau, pour faire. Et pourquoi est-ce qu'on prend pas un masque qui le fait bonifier sa voix? Je comprends pas. Et pourquoi est-ce qu'il l'a enlevé, son masque? Je sais pas. Ouais. Gardien, Lueur me disait justement que vous étiez en route. C'est... J'avais mon masque en main. C'était idiot, je me croyais en sécurité. Je pensais me détendre. C'était une erreur. Bah ouais. D'après Osiris, le commandant parle souvent des choix difficiles. Me montrer ou le laisser mourir. Quoi que je fasse, quelqu'un dira que j'avais tort. C'est vrai. Vous avez sans doute perdu des gens. Et repenser à ce que vous auriez dû faire autrement. Trop tard pour agir, mais pas pour ruminer. C'est vrai. Si vous aviez pu agir, vous l'auriez fait. Quel qu'en soit le prix. Mais non, mais on s'en fout, là, ça n'a pas de conséquences. Sans savoir pourquoi, j'ai été à la merci d'une chose inarrêtable. Aveugle, dans un cauchemar. Je ne voulais pas provoquer plus de douleur. Ils devront me passer sur le corps pour s'en prendre au commandant. Avec ou sans masque. Mais ne le répétez pas à Osiris. Ah, en vrai, je pense qu'il serait plutôt d'accord. Mais ok. Il vous prend sa excuse, mais prince persuadé qu'il agit pour le mieux. Il est heureux de compter sur votre soutien et affirme qu'il s'y surveillera bien plus souvent les arrières du commandant Zavala à l'avenir. Mais je vois même pas pourquoi il y a un débat. Hein. Enfin, je veux dire, t'as gagné. Voilà. Vaut mieux avoir fait ça plutôt que... Il vaut mieux avoir fait ça plutôt que de l'avoir laissé crever, surtout que ça n'a eu aucune conséquence. Hein. Parce que oui, c'est un psion, mais un psion de loin, t'es là, de loin, derrière, en plus, lui, il a une arme particulière qui nique ta lumière, qui bute les spectres. Bon, j'aurais pas dit, voilà, j'aurais pas tenté, personnellement, mais bon.
Ah oui, une armure, machin. Est-ce qu'on les tente, ces charges du marteau? Bah, pas forcément, en vrai. Hein. Moi, je veux bien tenter ce genre de truc et continuer à faire le palier 1. J'ai la flemme d'aller dans les paliers supplémentaires. Donc, on va prendre des armures, ouais, des outils. Les outils des élus, là. Hop. Parfait. On va garder ces charges. Hein. Pas besoin d'avoir déplacé les pensées pour sans discontinuer. Alors. Donc 92 sur 96, donc on a bien évidemment envie d'avoir le mieux. Donc on va garder ça. Hop. Et on a la boîte postale du coup qui nous donne la même chose. 94, donc pas assez, surtout que sur la loi c'est de la merde. Ok. 93 c'est de la merde, 93 c'est de la merde. Et 91 c'est de la merde. Bon, voilà. Bah c'est bon, hein, c'est tout. C'est tout pour ce pass saisonnier là. Hein. Enfin, pour cette semaine du pass saisonnier. Il s'est passé des trucs. On va pas dire qu'il s'est pas passé des trucs. En plus, hop, 90. Non! Ah, j'ai tellement pas de chance. Ah, sa mère. Bon, bah, ok. Ça m'apprendra. Hop. Parfait. Et parfait. Bon. Let's go. Du coup, voilà, il s'est passé des choses hein, très clairement dans dans cette semaine-là. Pas incroyable non plus, c'était pas ouf. Il n'y a pas eu énormément de trucs, mais on a quand même eu un gros événement qui s'est déroulé. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on essaye d'aller un petit peu plus vite la prochaine fois. Parce que c'est vrai que c'est cool, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait aller un peu plus vite. Et on pourrait mettre un peu plus de trucs. Là, je vois pas trop. Enfin, voilà, je sais pas trop comment on sait pas trop comment Zavala va réagir, tu vois, par exemple. Donc on va devoir attendre une semaine pour ça, c'est un peu long, mais bon, on verra. Bon, d'ici là, bah du coup là, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, hein, c'est bien ça qui va se passer, hein, 30, 36, 37 minutes de passe, c'est tout. Mais bon, ce que vous voulez que je vous dise, des fois c'est court et voilà, il faut prendre ce qu'on, faut faire avec ce qu'on a, quoi, finalement. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir pour pouvoir voir les prochaines vidéos, notamment celle du pass et peut-être de League of Legends. Moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut!